objet pas commun qui est projeté donc en film d'ouverture ce soir à Cannes dans la grande salle Lumière. C'est le film de Michel Hazanavicius. Son titre, Coupé. Et si j'ai bien compris, c'est un film qui raconte le tournage d'un film de zombies d'une demi-heure et qui veut ne pas tout à, et qui ne va pas tout à fait être réussi. Ah ben c'est le moins qu'on puisse dire. On peut même dire que ce film de zombies, qui est un long plan séquence, un exercice technique phénoménal, c'est un ratage, c'est toute l'histoire. Et quand, pendant une demi-heure, il va passer dans quelques minutes dans la salle, pendant une demi-heure, les gens vont se dire, c'est effectivement très raté. Et puis au bout d'une demi-heure, il va y avoir un miracle dans cette salle qui est totalement réussi par ce génie du cinéma et de la comédie que c'est être Michel Hazanavicius. Tout se retourne et d'un seul coup, on comprend pourquoi tout était raté et tout le monde rit dans tous les sens. On va avoir des rires comme jamais. Tout à l'heure, j'ai été voir Michel avec Myrtille Serre et je lui ai dit « Mais finalement, ce que tu cherchais, c'était la palme du film raté. » Si quelqu'un peut nous faire juste un petit clap, comme ça tourne, c'est bon ? On a eu un beau clap, merci. Michel, finalement, ce film de zombies raté est tellement réussi. C'est à la fois un hommage au cinéma et aux artisans du cinéma. Moi, je faisais du détournement dans mon coin, dans une école d'art avant. Puis j'ai appris à travailler avec les nuls à Canal+. Ben, quand vous étiez mon patron, mon bien-aimé patron. Et du coup, j'ai développé ce truc où le fond et la forme se répondent. Dans celui-là, il y a un peu comme ça différent. Il y a un truc un peu pastiche, il y a des choses plus avec des vrais personnages de comédie de situation. Il y a des trucs plus vaudeville, porte qui claque. Ça court dans tous les sens. Il y a du pipi caca. Il en faut. S'il n'y a pas de nazi, il faut qu'il y ait du pipi caca. Il faut choisir. Mais les bons films vont soit l'un, soit l'autre. Ouais. C'est pas vrai. S'il te plaît. Je t'aime. C'est génial. Vous pensez que vous avez réussi ce ratage ? J'ai fait de mon mieux pour rater au mieux ce tiers de film. Ouais, c'est vrai. J'ai essayé vraiment de faire une bonne bouse. Il faut donner au spectateur la sensation qu'il voit quelque chose qui rate, mais en même temps, il faut quand même qu'il lui donne à manger. C'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs marrants, des trucs intrigants, des choses qui font qu'il y a une espèce d'intérêt dramatique quand même, à pas, au bout de 5 minutes, dire « bon, c'est vraiment trop raté, je me bats ». Je ne suis pas peu fier que ce soit l'ouverture de mon dernier festival, le 75e. Eh bien, alors, moi, je suis carrément ultra fier. Il n'y avait pas meilleur endroit. Je suis hyper content, hyper heureux. Coupé, c'est le film d'ouverture de Cannes. Et on a vu, là, dans le making of, il y avait deux réalisateurs, Michel Hazanavicius et Romain Duris, qui jouent le réalisateur du film raté. Et tous les deux portaient la même chemise. Ouais. Eh oui, ça portait chance.